Madame Argot en vélo, enfin Andrézienne. Voilà, elle n'a pas les pédales, là pour l'instant elle marche, mais du coup c'est super bien parce qu'elle apprend l'équilibre comme ça, et le jour où elle fera du vélo, ce sera beaucoup plus simple. Ouais. Allez Madou, avance! Oh. On est sur le marché là, de la Ciotat. Ah, il fait beau, voilà, les beaux palmiers. Il y a Margot, toujours avec sa drésienne. Camille, qu'est-ce qu'elle fait? Ah bah Camille, ça va, elle mange sa robe. Ah, il y a du monde aujourd'hui, hein, c'est le week-end de la Pentecôte. Il y a beaucoup de monde. Bon, ça y est, nous sommes arrivés au marché. Voilà, il y a Tata Stéphanie qui donne le biberon à Camille. Camille qui se régale avec son biberon. Voilà, et puis là, il y a Mamou avec Margot. Coucou. Nous voilà, nos dimanches, ce qu'on fait à la Ciotat. Voilà, c'est tous les dimanches en fait, tous les dimanches. Les vont nous manquer. Ah oui. Je vous le dis. Quand même. C'est vrai. Et comment ils s'allument? C'est dur. Comment ils s'allument? Il faut le taper, je crois. Il faut taper dessus. Serrer, mais... Non, ah, le voilà. Attends. Mais pas tout. Ça, si tu fais, wow. Attends, Margot. Hey, Margot, fais attention là, de pas taper les personnes à côté de toi, quand même. Elle tourne ça, tu sais. Et après, il y a quelqu'un qui va se le prendre sur la tête. Bon, Camille a fini son biberon. C'est, voilà. Et là, elle s'est endormie sur Mamou. Elle fait un gros dodo. Oh là là. La pépette. Oh là, elle est trop bien. Elle est trop bien. On va essayer le petit landau. Allez, on va la mettre dans le landau. Ah oui, dans l'autre sens. Attention à l'eau, attends. Et voilà. Oh, qu'elle est bien. Merci. Ah là, le grand jeu de Margot, c'est ça. Tu montes Margot? Voilà. Mais tu fais attention, hein, tu lâches pas les mains. Voilà, Margot, elle adore se suspendre, ça c'est son kiff. Ma pépette, elle est trop bien là. Elle est trop bien. Ah, tu l'as approché. Merci beaucoup. Mamoun. Ouais, bah, elle a entendu Mamoun, non? Bon, bah Margot, ça y est, elle a la flemme maintenant. Elle veut plus faire de drésienne. Elle marche à côté du vélo. Voilà, Camille, qu'est-ce qu'elle fait, Camille? Oh, elle est toute belle, Camille. Elle fait dodo. On va vous montrer. Voilà, le port de la Ciotat. Un dimanche. Bon bah là ça va, il n'y a plus trop de monde là par rapport à tout à l'heure. C'était le marché. Donc là c'est un petit peu plus déserté. Ah, ça j'adore. Ici on se la mousse. Un rosé social des réseaux sociaux. Là, il y a du soleil et du pastaga. Je peux pas, j'ai apéro. Et alors celle-là, ceux qui boivent pour oublier sont priés de payer d'avance. Excellent. Alors Margot qui parle avec de l'eau dans la bouche. C'est le langage des signes. Hein? Tu fais le langage des signes? Oh, comment tu fais? Montre comment tu fais le langage des signes. Margot, donne-moi ma fourchette. Donne-moi ma fourchette. Donne-moi ma fourchette. Margot, elle a mangé toute la crêpe. J'ai que la moitié. Donne-moi la fourchette. Donne-moi la fourchette. En plus, j'aime pas faire glisser la fourchette entre les dents. Je déteste ça. Ah oui, non. Ah non.
Allez, allez, faut la chatouiller. Chatouille-la. Et voilà. H&M, ils ont fait aussi. Ça, et les homosexuels, on est gâtés. Bah ça, il y a des séries télé aussi. Hein. Elle tu danses. Elle tourne. Je sais pas si ça y est. Allez Margot, allez. C'est parti. Non mais là Margot, elle s'amuse à rouler sur mes pieds. Oh le rire. Elle roule sur mes pieds. Non, non, aïe. Elle fait mal. Alors là, on a Margot qui fait un gros dodo dans la voiture. Elle prend des forces avant de... Voilà, parce que ouais. Camille, elle fait dodo aussi. Voilà. Il y a papa qui conduit. Coucou. Et voilà, on est arrivé dans une espèce de d'abbaye. C'est une paroisse. Voilà, donc tout le monde est prêt. La petite, elle vient de se réveiller. Voilà Camille. Margot est prête. Et on y va. Et elle va danser Margot. Ben alors Margot, t'as des ballons accrochés à toi? Et Camille avec le parrain de Margot. Attends. C'est l'anniversaire. Ben non, c'est moi. Céline, salut. Voilà. Quoi ma chérie? Ah celui-là on peut pas le décrocher, en plus c'est pas un ballon, c'est un pompon qui pend. Et voilà la pépette, la petite Camille, elle fait dodo pendant que Margot elle s'amuse. Et Margot, tu veux jouer au baby-foot? Oui. Allez, on va jouer au baby-foot. Bon les amis, j'ai voulu faire une partie de baby-foot avec les deux petites. Mais ah ben oui. Et du coup voilà. Voilà Margot comment elle joue. Attends. Voilà. Donc j'ai fait équipe avec Margot. C'était pas facile. Oh. Ah, comment elle joue Margot. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh là là la bougie. 34. C'est pour toi ça, c'est mignon. Ouais, c'est ça. L'orangina. Bon les amis, on est un peu dans le caca parce que on était invité à un anniversaire de la petite qui a 2 ans. Et puis sa maman, en fait, on pensait qu'elle avait 33 ans. Et donc, sur la carte, on a mis 33. En fait, elle a 34 ans, comme vous avez vu sur le gâteau. Bon, on va falloir qu'on rectifie. Tu veux que je te mette le mien dedans? Il doit rentrer. Bon, pas sûr qu'il rentre quand même. Ah non, je pense qu'il rentrera. Il va casser la poussette. Ah, voilà notre baby-sitter. Hey, ma chouchou. Voilà du bébé. J'ai limite plus son corps. Maladie bébé. Voilà. Jérémy qui joue au ballon avec une coupe de champagne à la main. Au pied Margot.
Allez Margot. Allez viens. Allez, tu mets les lunettes. Monte. Margot. Margot. Et voilà, c'est le grand retour. La fête est finie. Il y a Margot, elle fait un dodo max. Elle a récupéré quand même un ballon de l'anniversaire. Et puis Camille, bah, c'est pareil, Camille, gros dodo aussi. Parce que pendant la fête, bah, elle n'a pas trop dormi en fait, un petit peu, mais par intermittence. Voilà, et Jérémy, qui dit au revoir aussi. Voilà, on rentre à la maison. À bientôt.